Bref, ça c'est moi quand j'étais étudiant. Quand tu es étudiant, tu envisages ta vie professionnelle de la meilleure des façons. Tu te dis que ta vie sera les belles meufs, la plage, les voitures, mais surtout les belles meufs. Quand tu es étudiant, tu te dis que ta vie sera monnaie, monnaie, monnaie. Pour moi, un entretien d'embauche où on me demande mes prétentions salariales ressemble à ça. Alors monsieur, quelles sont vos attentes en termes de salaire? 2 millions 5. Oh yes. Au fur et à mesure que tu cherches un boulot, tes prétentions diminuent. Quelles sont vos attentes en termes de salaire? De l'argent. Simplement de l'argent. Bref, comme tous ceux qui cherchent un boulot et qui n'ont rien à faire, je traîne parfois sur internet. Non, je traîne beaucoup sur internet. Mais non, je traîne énormément sur internet. Comme tous ceux qui cherchent du travail, je check mes mails tout le temps, mais toujours rien. Donc, j'ai traîné sur YouTube, mais pas de vidéos intéressantes. Donc, j'ai rechecké mes mails, mais toujours rien. Je suis reparti sur YouTube et j'ai fait cette recherche. Comment faire bouillir de l'eau? Mais merde, ma vie allait dans tous les sens. Bref. Quand tu cherches du boulot, tu fais très attention à ton téléphone et à tous tes appels. Allô? Oui, c'est Yann Mel. Je postule chez vous. Allô? Oui, oh, c'est pas Boubacari. Bonjour. Oui, Boubacari. Vous trompez de numéro. Oh, c'est pas Boubacari. Non, je vais parler à Boubacari. Boubacari, je vous dis. Un jour j'ai craqué et j'ai envoyé 257 emails copiés-collés à des entreprises de ma ville. Il y en a qu'une seule qui m'a rappelé, je savais plus laquelle c'était, mais j'ai répondu très sincèrement. Ça sera un véritable plaisir pour moi de travailler avec vous. Le jour de mon entretien, j'avais tout bien préparé, ma chemise que je mets à tous les événements. Sur mon CV, j'avais indiqué un très bon niveau en anglais pour faire professionnel. Le recruteur passait en revue mon CV. Il était très satisfait de mes compétences. Tout se passait bien lors de mon entretien jusqu'à ce qu'il me demande « Do you speak English? Yes. Where are you from? Yes. » Il m'a regardé, je l'ai regardé, il m'a regardé, je l'ai regardé, j'ai compris que j'ai fait une bêtise, il a pris mon CV, il a rayé, il m'a dit « On vous rappellera. » J'ai entendu « Va te foutre. » Bref, je suis toujours à la recherche d'un emploi.